Bonjour les amis, heureux de vous retrouver ce matin, ce jeudi 28 septembre 2023. Nous faisons mémoire à Saint Venceslas, qui naquit au début du Xe siècle, élevé par sa sainte grand-mère, et il n'a que 14 ans quand il devient duc de Bohême et 22 ans quand il meurt assassiné par son propre frère. Il menait une vie marquée par la pénitence et l'amour des pauvres. Nous faisons mémoire également à Saint Laurent Ruiz et ses compagnons. Il est éduqué chez les Dominicains et membre de la fraternité du Rosaire. Marié, 3 enfants, il est impliqué dans des incidents dramatiques, se joint aux missionnaires pour échapper, puis arrêté et martyrisé jusqu'à sa mort. Les uns brûlés vifs et d'autres décapités quelques années auparavant, et plusieurs autres qui moururent témoins de la foi du Christ. Dans la lecture d'aujourd'hui, le prophète Agé reçoit un message de Dieu. Il faut rebâtir la maison de Dieu et il prendra plaisir à venir y habiter. Préparons et unissons nos cœurs et laissons l'Esprit nous embraser. Lecture du livre du prophète Agé. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du sixième mois, la parole du Seigneur fut adressée, par l'intermédiaire d'Agé le prophète, à Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josédèque, le grand prêtre.
Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Ces gens-là disent, le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison du Seigneur. Or, voilà ce que dit le Seigneur par l'intermédiaire d'Agée le prophète. Et pour vous, est-ce bien le temps d'être installé dans vos maisons luxueuses alors que ma maison est en ruine? Et maintenant, ainsi parle le Seigneur de l'univers, rendez votre cœur attentif à vos chemins. Vous avez semé beaucoup, mais récolté peu. Vous mangez, mais sans être rassasié. Vous buvez, mais sans être désaltéré. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Et le salarié met son salaire dans une bourse trouée. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Allez dans la montagne, rapportez du bois pour rebâtir la maison de Dieu. Je prendrai plaisir à y demeurer et j'y serai glorifié, déclare le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous savons que Dieu habite dans chacun de nos cœurs. La maison de Dieu, c'est chacun d'entre nous. Et comment reconstruire aujourd'hui l'assemblée de Dieu pour que la demeure de Dieu soit solide? Tout en sachant que chaque âme est une pierre vivante de l'édifice qui est fondée sur Jésus le Christ. Le but, c'est d'être deux ou trois pour que Dieu prenne demeure dans notre maison. Et il prendra un immense plaisir si nous lui construisons un édifice beaucoup plus grand. Les fondations en seront beaucoup plus solides. Nous sommes tous des instruments de Dieu et en tant que chrétiens, nous éprouverons, je vous l'assure, beaucoup de joie d'amener quelqu'un une pierre vivante pour consolider la maison de Dieu. Demandons à l'Esprit Saint de nous aider à sauver des âmes, de les amener à Jésus-Christ pour qu'ils soient ces pierres vivantes pour agrandir le royaume de Dieu. Le Seigneur aime son peuple, le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur aime son peuple, le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple, le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur aime son peuple, le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui. Tambourin et cithare, car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles
l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple, le Seigneur aime son peuple, le Seigneur aime son peuple, le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. 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 Réjouissez-vous dans le Seigneur, comme dit sa parole. Et la joie de l'Éternel est ma force. Mes chers amis, Jésus a ordonné à ses disciples d'aller prêcher sur toute la terre et il leur a promis la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons besoin de la puissance de Dieu pour gagner des âmes, pour agrandir son royaume. Demandons à Dieu de manifester en nous l'Esprit Saint qui est déjà en nous, car nous sommes ses témoins. Mes chers amis, je vous souhaite une sainte journée et laissez l'Esprit Saint agir en vous. Et on se dit à très bientôt. Je chante alléluia, 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 oh, alléluia.
ensemble louons-le.